Métro, écoute, chez Métro, le poulet, ben oui, le poulet, ben là, c'est pas le poulet entier, là. C'est la poitrine de poulet avec la peau et l'os. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Parce que là, il est 2,49 la livre, ou 5,49 le kilo. Fait que si tu compares, mettons, 2,49 la livre versus 1,79 la livre, donc t'as quoi, là? T'as 21 plus 15, bon, t'as 70 cents de différence la livre. Un, c'est le poulet entier, donc. Tu as les hauts de cuisse, tu as la cuisse au complet, tu as du beurre. Tandis que là, tu as juste le suprême de poulet, là, juste là, vraiment la poitrine. Ça, c'est pas intéressant. Ça dépend de ce que tu veux faire, hein, avec la peau. Fait que ça, tu le fais cuire là, comme une rôtisserie là, dans le four. Là, tu le fais griller. Hein. Après ça, ben, tu peux tout le désosser et te faire des vols au vent avec ça. Moi, j'ai pris un ciseau, là, je le coupe en deux. Ça me fait deux poulets poitrine avec la peau. Là, avec des patates frites, là, une petite sauce Saint-Hubert à une pièce, là, je pogne quelque part, là, barbecue, à chicken. Puis tu peux prendre même du pain hamburger, hein, tu mets ça en toaster. Fait que là, tu te fais une petite tranche de pain comme chez Saint-Hubert ou une rôtisserie quelconque. Puis là, tu te fais un bon souper comme ça, c'est pas cher, puis c'est super. Puis après ça, bien, vu que tu t'en fais quand même plusieurs, là, moi, je suis sûr, quand je fais des poitrines comme ça, c'est assez rare, ces poitrines-là, quasiment en spécial, parce que chez Métro, il y a des belles protéines. J'ai eu de la misère à savoir lesquelles que je préférerais dans les toutes ces plus. Je t'en ai mis trop, parce que si tu veux vraiment la liste, là, va voir la liste de papapapote, c'est sûr, tu as tout ça là. Mais j'ai choisi, dans le fond, les protéines que je considère qui ne viennent pas tout le temps en spécialité, souvent. Donc, la poitrine de poulet, là, avec la peau et l'os, vraiment, à ce prix-là, ça peut être bon, ça. Ça fait changer même fois de temps en temps aussi. Aussi, chez Métro, ah oh oui, le rôti d'épaule pique-nique frais. Oh, ça, là. Dans le pot-au-feu, dans le croque-pot ou dans l'instapot, ou c'est quelque chose que tu as une mijoteuse quelconque, là, tu peux faire ça là-dedans, là, c'est super. Il est 1,49 la livre, ou si tu préfères, toi, 28 le kilo. Ça, là, il va falloir, à un moment donné, je vais faire ma petite recette là, sucrée, là. Avec au jus d'orange, là, dans le croque-pot, là, tu mets ça là-dedans, là, puis là, tu mets des petites patates à la fin, puis ah, c'est bon, là, c'est carrément, puis c'est pas cher, là, c'est 1,49 la livre, puis l'encore moins cher ailleurs, tu vois, je vais te le dire tantôt, mais quand même, à ce prix-là, ça a bien du bon sens, c'est à moitié prix à peu près. Donc, si tu cherches un porc effiloché ou quelque chose qui ressemble à ça, bien, avec l'épaule de porc frais pique-nique, là, c'est idéal pour ça. Aussi, chez Métro, ben écoute, t'as la cuisse de canard confite. Écoute, 500 grammes, ça là, vraiment, là, à 9,99 au lieu de 16,99, donc 10$ versus 17$. C'est une grosse économie, moi j'en ai toujours ici. C'est un spécial qui, de plus en plus, il revient. Hein? Avant, on le voyait deux, trois fois par année. Là, je te dirais qu'au mois et demi, il ressort. Tu sais, ça prend après un mois et demi, deux mois maximum. Pouf, il nous ressort quelque part, là. À ce prix-là, à 9,99, c'est pas mal son meilleur prix là, qu'on voit. C'est rare qu'on l'a meilleur prix que ça. Là. Je ne me souviens pas de l'avoir vu en bas de 10$. Des fois, il est 10,99, 11,99, c'est encore un bon prix. Mais là, à 9,99, c'est le temps d'en profiter, surtout que c'est sous vide, ça. Puis la date de péremption là-dessus, là, ça coûte, c'est des semaines et des mois. Fait que même si tu en ajouterais plusieurs, c'est pas quelque chose que tu manges dans les prochains jours. Là. OK? Fait que, garde ça parce que c'est vraiment facile à faire. D'ailleurs, j'ai une petite recette encore là. De plus en plus, m'en avoir. Moi, pour te dire, voici la recette que j'ai. Bientôt, m'en avoir 3 ou 4 recettes pour chacune des protéines. C'est ça l'idée. Mais en tout cas, j'ai une petite recette là, qui va très bien avec la cuisse de canard confite. Fait que check ça, ça vaut vraiment la peine. C'est sur le site de Papa Popote. Fait écoute, c'est ça qui est ça pour Métro cette semaine. Écoute, vraiment, va voir ça. Hein. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Puis je te souhaite bien sûr une super de belle semaine de l'heure. En profiter au maximum de ce temps-là hein, avec les gens qu'on aime. Ça, le temps passe tellement vite. Hein? Écoute, sur ça, je te souhaite une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.